va être ma 21e présentation de manga. Donc je voulais vous dire quand même que j'étais pas mal triste parce que j'ai eu quand même 30 dislikes. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je vais arrêter les vidéos. Et j'ai eu beaucoup d'insultes dans ma dernière vidéo, mais c'est pas grave. Donc merci quand même à toutes les personnes qui me soutiennent, vraiment. Donc aujourd'hui, je vais faire ma 21e présentation. Comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter Gurren 5. Donc c'est un manga vraiment excellent. Donc il y a 2 tomes. Le deuxième tome est sorti aujourd'hui. Donc je vais peut-être l'acheter tout à l'heure, je ne sais pas. Mais je pense que oui. Donc ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est la couverture parce que je la trouve vraiment, mais vraiment trop stylée. Voilà. Donc il coûte vers 7,60€. Donc Gurren 5 est un manga qui est édité par Doki. Et comme nous pouvons le voir, c'est un shonen. Donc les dessins sont faits par Shinohara Riku, le scénario par Kodaka Kazutaka et le caractère design par Kodama Yuki. Donc qui est le caractère design Yuki Kodama de Blue Blade. Donc d'abord je vais vous parler, donc cette fois-ci je vais pas lire le résumé, je vais essayer. Donc en fait ça raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui s'appelle Kyuren. Et genre, c'est une racaille et tout, et il y a une meuf qui vient de l'espace et qui va venir le chercher parce qu'elle croit que ça va être l'homme le plus fort de la Terre. Mais non, et après on va voir les aventures. Donc elle va l'amener avec elle, et c'est un manga avec plein de baston. Donc si vous aimez la baston, la science-fiction, je vous le recommande fortement. Donc les points forts, les personnages sont plutôt cool et sympathiques, et ils sont attachants. Et il y a des bons combats, je trouve, dans ce manga. Par contre, le point faible, c'est que ça ressemble trop à Blue Blade et ça m'énerve un peu quand même. Que voilà. Mais c'est pas grave, ça reste un très bon manga, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc comme vous pouvez voir, c'est un manga qui se termine en 3 volumes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et merci vraiment à mes 221 abonnés. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc j'espère que ça va continuer comme ça à augmenter. Donc je vous en remercie. Mais vraiment, ça me touche vraiment. Donc voilà. Donc merci à toi Léo, le fils des 0312, de me donner des conseils. Donc que j'écouterai pour la prochaine vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!